Move. Je sais pas si t'as vu, mais les enfants mangent trop de protéines animales. D'après Greenpeace, 70% des jeunes Français consomment de la viande ou du poisson tous les jours à la cantine. Ce qui n'est ni bon pour la santé, ni pour l'environnement. Surtout qu'à la cantoche, on sait rarement quel animal on becte, hein. Éventuellement, il y a le poulet. Mais tu sens qu'il a pas eu une belle vie quand tu vois la gueule du nugget. Il a pas beaucoup couru, le coin-coin. Je sais pas si t'as vu, mais Luc Besson est accusé de viol. Les faits se seraient déroulés le jeudi 17 mai dernier. Une jeune femme de 27 ans dit avoir subi une relation sexuelle non consentie dans la chambre d'hôtel du réalisateur qui l'aurait drogué. De son côté, Luc Besson, lui, nie totalement les faits. Ça veut dire qu'on va plus jamais se taper un film de Luc Besson à la télé ? Bah non, pour l'instant, il est présumé innocent. Ah ouais, mais quand même, par précaution, au cas où, on sait jamais. Au moins Tekken 3, hein, on le passe plus, ça dégage. Allez, merci. Je sais pas si t'as vu, Beyoncé a acheté une église à la Nouvelle-Orléans. Et selon le site TMZ, elle pourrait même la remettre en service. Mais on sait pas encore exactement quel est son projet pour l'instant. Bah, elle a qu'à créer sa propre religion. Mais pourquoi elle ferait ça? Bah pour qu'on puisse l'appeler Madame l'Abbé. La Beyoncé. Cette petite blague cléricale pour la Pentecôte. J'aime le mot. Et puis Jésus, ce sera Jésus. Et puis à Pâques, il y aura tout Pâques. Tu es connecté sur Move.